Allô? Ah, c'est bon, ça marche. J'avais dû toucher un truc qu'il fallait pas. Ok. Bah si on m'entend, c'est cool. Hop, je me mets sur le jeu. Hop, je recoupe Discord. Hop, je lance le jeu. Ça devrait arriver. Bah je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi. OBS. Ah, attendez. Me dis pas que maintenant il veut pas prendre le jeu. Capture de jeu, propriété. Bah si, Assassin's Creed. Bah pourquoi il le voit pas? Il voit pas Assassin's Creed. Ah, ok, c'est bon. C'est juste que c'est long. Ok. Ah. Ouais, ben bah, je sais pas pourquoi en fait. Là, OBS. Bah il m'a fait bah non en fait je veux pas prendre ton micro. Voilà, je prends pas ton micro, tu te démerdes. Je sais pas. Ah. Alors. Alors, ça vient de moi ou le jeu est sorti? C'est pas normal ça. Attendez. Je fais un truc. Vite fait. Revenir à Windows. Oui. Sauvegarde dans le cloud. Je relance le jeu, hein, vous inquiétez pas. Tu vois? Qu'est-ce qu'il fait? Après, si ça bug, moi je pars sur autre chose, hein. Bon, je sais pas quoi, mais on part sur autre chose. Vas-y, attends. Aperçu. Ouais, bah vas-y, mince. Jouer. Vas-y, moi, je lance le truc. Bon. Ok. Appuyez sur A, scénario, Venise. Ah bah voilà. C'est bon, il n'y a plus le tic 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 tic. Alors, soit ça venait de... Attendez, je suis recherché. Là. Ok. Ouais non mais je sais pas. Soit ça venait de la manette qui j'avais dû sûrement activer. Il devait avoir sûrement une touche genre la caméra ou un truc comme ça qui était légèrement décalée. Et en fait comme mon stick il a tendance à se remettre droit, bah ça doit faire comme la caméra bougeait légèrement et que mon stick se remettait droit, bah ça faisait tic 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 tic. Je pense que c'est ça. Après, je sais pas. Vas-y, on va faire un peu l'émission principale, peut-être. Alors oui, mais c'est pas, c'est la carte que je voulais, moi. Alors, je suis là. C'est quoi ça? Mémoire. Ah, c'est ça que j'avais dit que je voulais faire. Je voulais faire les tours. Parce que là, j'ai quoi? Vers Romani. Ok, on s'en fout. Contrat d'assassination. Bon, ça, je le ferai soit en off, soit avec vous. Là, il y a une tour, mais je crois que cette tour-là, j'ai pas réussi à l'escalader. C'est quoi ça? Avis de recherche. Ok. Je suis là. Vas-y, je vais juste faire cet avis de recherche. Et on part sur le truc principal. Parce que ça serait sympa de commencer. Ah, ok. Je peux pas. Ah, c'est ça que j'ai pas fait. J'ai pas fait les coffres. J'avais dit que je ferais les coffres. Je les... Non. Je les ai pas fait. Bon. C'est pas grave. Les coffres encore, ça... Oh, pardon. Oh, le taquet que je lui ai mis au monsieur. Vas-y, je fais la quête. Alors, je sais plus ce que je suis censé faire. Pardon, madame. Oui, Glacium. Merci, madame.
Scusi, comme on dit. Ah oui, ça y est, je me souviens. On avait ramené la madame qui avait été blessée, et puis il disait, bah, viens me voir. Ok, je me souviens. Prego. Je Scusi. peux t'offrir quelque chose? Des biscuits? Du café? Ta femme? Du café? C'est une infusion délicieuse que m'a rapporté un marchand turc. Tiens, goûte-moi ça. Ok, pourquoi pas? Un peu trop amer à mon goût. Je dirais qu'il manque quelque chose. Je ne sais pas, une cuillerée de sucre peut-être? Ou du lait? Tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Assez parlé de ça. Où en étions-nous? Je viens de te ramener une copine. Oula. C'est un petit peu moche. Mais bon, c'est une maquette, quoi. Notre déroute au palais nous a coûté très cher. Nous allons devoir nous relever. Mais Emilio profitera sûrement de la trêve pour renforcer ses défenses. Mais aussi pour continuer d'opprimer tout le quartier. Ce combat n'est pas le tien. Mais nous avons le même but. Oui. Rassemblez vos forces et lancez une nouvelle attaque. Agir à la hâte nous infligerait d'autres pertes. Non. Il nous faut des armes et un plan d'action. Est-ce que oui? Je peux difficilement me permettre d'attendre. C'est là que je veux en venir. Rallie notre cause. Mes hommes se remettent lentement de leurs blessures. Trouve-les, ils te diront quoi faire. Plus vite tu les aideras, plus vite nous passerons à l'attaque. Yes. Molto bene, Antonio. J'accepte. C'est la bonne décision. Au pire, un coup de surin dans lui parce que... un accord gagnant. Alors attends, attends. Tu veux quoi? Je zoome. Là, il y a deux quêtes. Il y a un bonhomme là. Ouais, j'ai peut-être dézoomé un peu trop. Ok. Toc toc. Ah, Ezio. Je suis content de te revoir. J'aurais bien besoin de tes lumières. Bien sûr. Dis-moi tout. En quoi puis-je t'aider? Emilio a dressé plusieurs de mes hommes contre moi. Je parie qu'il les a corrompus. Oui. Nous ne pouvons pas frapper avec des traîtres dans nos rangs. Ils sont quelque part dans ce quartier. Ils nous espionnent et rapportent tout à Emilio. Plus pour très longtemps, crois-moi. Ok. Coup de surin. Identifier et éliminer les voleurs qui ont trahi Antonio. Ouais. Ok. Tue les traîtres. Ah, c'est un mur. C'est pratique, mais c'est un mur. Alors. Mince. Ok, voilà. Ça, c'est un bonhomme rouge. Là, c'est des bonhommes rouges. Ok. Je suppose que les bonhommes rouges... Ok. Je suppose que les bonhommes rouges, c'est soit des mecs qu'on peut pas tuer. Ah non, c'est des gardes. Ok. Ok. Je regarde juste. Ouais, les coffres ont déjà été pris, donc je suis déjà venu. Ah, ok, c'est bon. J'ai des cibles sur mon truc. Pardon, monsieur. Ah ben non, mais moi, ninja, je suis un ninja, moi. Hop, hop, on monte sur le toit. En gros, on monte assez haut. On met la visio de l'aigle et puis on le regarde, quoi. Alors, il est censé être par là. Ah, je le vois. Ok.
Arrêtez-le. Pourquoi je peux pas le suriner, le mec? Ah bah, il est mort. Ah ok, il y en a un deuxième là. Voilà. Chut, fais de dos. Alors j'aime bien, ils me disent descends tout de suite, mais techniquement, je suis juste en train de nager quoi. Juste un mec. Cible perdue. Mais je suis censé l'agresser quoi. Comment je peux l'avoir perdu? Je savais même pas où aller. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais trouver autre chose. On va trouver quelqu'un d'autre, au pire. Si c'est pas lui qu'on va buter en premier. Ok. Voilà. Voilà. Moi j'aime bien leur mettre des coups de surin. Ok, il est là. Et je suis en train de me dire en fait c'est super méga simple. Je viens du ponton, je fais hop hop hop, je saute sur les trucs, j'arrive, je fais grand coup de surin. Ah ouais. C'est vachement plus simple en fait de faire comme ça. Je suis peut-être en train de m'embêter pour rien. Mais qui vous a appris à faire ça? Ok, il est là-haut. Hop, j'arrive, je fais. Ah merde! Ah bah il s'est suicidé tout seul. Bon bah tant pis. Moi qui voulais faire un truc épique, genre j'arrive saute sur le bateau et puis grand coup de surin et puis bah non. Tant pis. Tant pis, tant pis. Messieurs. Ouais. Ah! Ah, ils veulent jouer à la bagarre. Ok. Bon, bah, on va tuer tout le monde, hein. Allez, vas-y, bute-le! Ah ah, tu t'y attendais pas. Ah ah. Ah ah. Eh ben non, en fait c'était toi que j'attaque. Et moi j'utilise du soin, technique de lâche. Ok. Et ben voilà. Nickel, propre. Je reprends mes surins.
Ah merde, j'étais déjà rentré. Ah merde. J'ai confondu le parchemin avec un manuscrit à récupérer. C'est pas là? Et ben là, le parchemin. Au-dessus peut-être. Là? Ah, ok. Ok. Au moins, je suis déjà un peu moins repérable. Si possible, j'aurais aimé avoir un de plus, mais bon. Alors, hop. Je vais me gratter le front. Bonjour, vous. Non, on va pas les recruter. Bonjour. Bonjour. Alors, ok, ça y est, je vois c'est qui. Je vois c'est lequel. Voilà. Chut. Et tout. Ok. Et le dernier. Après, je pourrais sprinter plus, mais techniquement, si je sprint plus, je suis plus facilement repérable, quoi. Enfin, plus repérable. Vu que je rentre dans les gens, je les pousse et tout. Voilà. Voilà. Hop. Fais ça doucement. Ah, ok. Voilà. Alors, où est-ce qu'il peut être? Je ne sais pas. Mais je suppose que ce qui serait logique, ça serait un qui soit en mer, un en ville et un sur les toits. Voilà. Ben voilà, c'était ça. C'est ce que j'avais compté, voilà. Un en mer, un en ville, un sur les toits. Un de chaque point, quoi. Lui là-bas, je pourrais le buter, mais ça m'apporterait pas grand-chose de plus. Surtout que je suis pas repéré, donc... je peux peut-être aller, tant que j'y suis, chercher le coffre. Mince. Et là? Non, monte! Ok. Juste un coffre là. Bah, je suis à côté. Autant le choper, hein. Ok. Il me semble que la demoiselle, elle avait besoin de moi. D'après ce que je me souviens avoir vu. Pardon. Ah mince alors. Désolé. Eh, ça fait un petit moment, il me semble que j'ai pas récupéré de plume. Ah bah, désolé. C'était pas prévu, mais... Pardon. Mauvaise manip, madame. Pour ça que j'ai fait ça. Je me suis trompé. Le mec, il se justifie. Pardon, mesdames. Il y a un coffre en face. Ouais, tant qu'on y est. Hein. De toute façon, c'est sur ma route. Donc, autant le choper tout de suite.
Ah bah ok, j'ai de l'argent dans ma villa, mais c'est pas celle que je voulais. C'était là ou pas la mission? Parlez. Ah, je répare mon armure. Hein. Il y a de nouveaux trucs? Non. Il semblerait que j'ai tout. Hein. J'ai tout acheté. Je croule sous l'argent. Ah, quoi. Je dois parler à quelqu'un. Ça doit être juste au-dessus de moi. Alors, pour monter facilement... Hop. Ah, attends. Tant qu'on y est, hein. Autant enlever notre... Voilà. Voilà. Vu que je dois parler à quelqu'un, alors. Là? Non? Ah, oui. Bonjour. Le mot de passe est... Content de te revoir, Hugo. Que se passe-t-il? Toi et Rosa, vous vous êtes échappés du palais. Oui. Les autres n'ont pas eu cette chance. Emilio les a capturés. Ils vont être exécutés. D'accord. Sais-tu où ils sont détenus? Quelque part dans ce quartier. Mais je n'en sais pas plus. Tu vas devoir les trouver. Ok. Fais confiance, je vais sortir tes frères de là. T'inquiète, bro. Ouais, vas-y. Les prisonniers. Libère les voleurs. Alors, j'ai pas de chrono. Ok. Est-ce que j'ai le droit à toutes les méthodes ou pas? Ok. Je vois qu'il y a un bâtiment rouge. Enfin, une zone rouge. Ok. Alors, d'après ce que je vois, il y a un garde là en bas. Si j'arrive par au-dessus, je descends tranquillement sur la cage. Et je poignarde le mec, je peux le libérer facilement. Donc, il faudrait que je fasse le tour. Ok. Alors, ça, c'est ma technique. Enfin, ma technique. C'est mon plan que j'ai prévu. J'ai pas dit que ça va marcher. J'ai seulement vu un seul soldat. Ok. Les marchés appartiennent au peuple. Emilio prétend chercher l'unité, mais en fait, il veut tout contrôler. Vos crimes cesseront bientôt. Le peuple se défendra. Les marchés appartiennent au peuple.